Dimanche 16 juin, une garden party organisée par le bus unité Prévention Parc et les jeunes du quartier de Lancy s'est tenue au parc Louis-Bertrand. Pétanque, football, musique et grill étaient au programme, dans une ambiance décontractée. L'idée, c'est vraiment d'avoir une rencontre avec les habitants, qui puissent discuter, qui ne soient pas simplement dans le fait que les jeunes se retrouvent la nuit, font des déchets, font un peu de bruit, etc. C'est justement d'ouvrir un dialogue. C'est une des possibilités. Nous, on est parti là-dessus. Il y a d'autres idées aussi. Mais là, c'est une des possibilités, justement, la rencontre autour d'un moment festif et familial. Cet événement a été mis en place en accord avec les autorités locales, telles que la mairie et la voirie de Lancy. Le but, proposer un échange interculturel et intergénérationnel entre la population locale et la jeunesse. Je pense que c'est comme partout, à partir du moment où tu vois un groupe de jeunes posé dans un parc ou nulle part, ça fait un peu peur quand même. C'est pas de premier abord, tu vas pas être rassuré. Et justement, nous, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est de rassurer les gens par le biais de ce genre d'événement, pour montrer justement que ces jeunes-là, ben, ils sont pas là qu'à traîner et puis à rester en groupe et à rien foutre de leur journée. Ils sont capables d'organiser ça. Au-delà de cette garden party, les membres du BUP s'efforcent quotidiennement de faire passer un message de prévention auprès des jeunes dans les parcs, lieux courants de rassemblement. Nous sommes là, nous passons pendant la semaine et le week-end, justement pour reprendre au niveau de la prévention face à l'alcool, face à d'autres substances, et évidemment pour qu'ils respectent les lieux et les déchets. Et ça, c'est petit à petit, c'est en train de vraiment... Là, on a un groupe au parc Louis-Bertrand incroyable, un groupe de jeunes qui essaient vraiment de s'investir pour le quartier et que ça aille mieux. Rendez-vous a été donné l'année prochaine pour une nouvelle édition de la Garden Party. Les habitants de la commune sont les bienvenus, c'est le but.